Bien voilà. Tout le monde y trouve son compte dans cette histoire. Vous savez, les choses se déroulent bien mieux depuis que je suis aux commandes. Vous qui refusiez à tout prix de me confier l'entreprise. Votre méchanceté aura fini par vous tuer. Et nous en sommes ravis. Oh, tenez, regardez là. Mes petits aménagements, ça vous plaît? Oh, et écoutez un peu ça. L'Ange, service funéraire de Saint-Victorien-les-Fosses. Ceci est mon entreprise désormais. Sur les conseils de Valentine, j'ai rayé votre nom de la carte. Oublié. Elle est bien contente de s'être débarrassée de vous et de vos sales pattes. Bonsoir, l'Ange. Batala ? Vous n'êtes donc pas mort ? J'en ai pas l'air, non ? La vie, vous savez... C'est une question d'habitude. On s'y fait. Et vous, l'Ange ? Ça va ? Paraît que les affaires vont bien. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez ? C'est mon costume qui vous dérange ? Moi, je trouve que ça fait sérieux. Mais... Vous n'avez pas l'air à votre assiette, mon petit gars. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Vous êtes fatigué? Vous n'êtes pas mort. Vous vous répétez. D'ailleurs, vous n'avez jamais su vous exprimer convenablement. Quand j'étais ici chez moi, c'est là que je mettais mon argent. J'ai jamais eu confiance envers les deux idiots qui travaillent toujours pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi en paix! Pathétique. Mon revolver, vous l'avez gardé? Vous flirtez avec la mort, monsieur l'Ange. Vous savez, j'ai l'intention de revenir m'installer ici. C'est impossible. Pourquoi impossible? Comment? Je suis ici chez moi. C'est moi qui ai créé cette entreprise à la sueur de mon front. Et c'est pas pour la laisser un incapable comme vous. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous donner de l'argent. Tout. Je veux tout. Je suis ici chez moi. Je vais bientôt revenir ici. Et puis, soustraire la délicate Valentine à votre influence néfaste. Je mettrai tout le monde à la porte! Vous n'avez fait que des saloperies ici. Il n'y a que depuis que vous êtes parti que ça marche.
Vous voulez revenir pour tout foutre en l'air. C'est bien dommage que je sois pas mort, hein? Vous devriez me tuer. Ah oui. Qui vous regretterait? La petite Valentine. Non, tu viens avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu un mort?